des vidéos en caméra embarquée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Citroën Berlingo Essence. Oui. Probablement les dernières. Puisque maintenant, on ne les fera plus. Maintenant, ils ne vont plus les faire qu'en électrique. Ouais. Donc j'en profite. La caméra de recul, évidemment. Le petit bip-bip parce que là, il est... Je le sens directement. Oui, tu as eu la Porsche Cayenne, etc. Moi, mon objectif, c'est de transporter mes enfants, les bagages et mes deux chiens. Ouais, ouais. Donc, c'est pas une très puissante. De toute façon, les limitations de vitesse. Ouais. Ça sert plus à rien. Malheureusement. C'est le principal. Pour moi, c'est le principal. Il y a de la place pour tout le monde et qu'elle soit très modulable. Je peux enlever tous les sièges arrière et aller faire des grosses courses pour transporter beaucoup de choses. Et aussi un attache-remorque pour aller à la déchetterie. Ouais. Voiture familiale multi-usage par excellence. Ouais. Et c'est ma deuxième. J'en ai une avant, une diesel. Et avec les petits-enfants, enfin, Emeric est maintenant plus grand. Oui. C'est quand même le dernier. Les portes latérales qui coulissent. Oui. Quand on est dans un parking un peu serré, oui. Pas question de dire aux enfants « Attention à la voiture d'à côté, c'est latéral, ça ne pose pas de problème. » Oui, c'est vrai. Et table très peu bruyante par rapport à la diesel. Oui, ça j'ai remarqué aussi quand j'ai acheté la voiture essence. Parce qu'on faisait moins de kilomètres quand on a changé de voiture. J'ai opté pour l'essence. Surtout que quand j'ai changé de voiture, le diesel n'était plus en odeur de sainteté. Plutôt, il y a un coffre comme dans les avions, dans le coffre. Quelle est ta consommation? Moi, je suis à peu près à 6 litres quand même. Surtout que je fais toujours des petits trajets. Un petit peu moins quand je fais des grands trajets, mais pas trop rapides pour l'instant. On roule moins vite sur l'autoroute de façon économisée. À bouger sur autoroute à vitesse constante, je suis un peu moins. Mais petit trajet dans. Et derrière, on est comment installé? Derrière, il y a trois places totalement séparées. C'est trois sièges séparés avec leur ceinture. Normalement, on sait s'installer à trois façons. Et le point fort de cette voiture? Moi, je trouve que c'est son multi-usage. Ouais. On peut aller plus fort pour promener, pour voir une voiture de trajet. Et je peux aussi transporter les enfants, les bagages, sans trop poser de questions. Pas du tout. Il y a des points faibles. La vision arrière, vu la hauteur, je ne vois pas bien les petits bollards qui sont sur le côté quand on se gare et qui sont sur le long. Maintenant, un peu compensé par les avertisseurs sonores et la caméra arrière, mais quand c'est latéral, c'est un peu plus difficile. Et puis, malgré tout, elle consomme quand même un peu plus qu'une petite citadine. Et moi, je trouve qu'elle est confortable par rapport aux suspensions aussi. Elle a fait des preuves et il y en a même qui dorment
dedans. Il y a moyen, oui. Tellement. Qui ont fait. Mais il y a moyen, tu vois, tu enlèves les sièges et. Tellement elle est spacieuse. Bien sûr, et si tu veux, tu peux aussi mettre. Un coffre les fameuses de toit. Oui, un coffre de toit sans problème et où les petites tentes. Des beaux paysages. Voilà, c'est tous des endroits où je vais parfois promener. Pas très loin de chez mes parents. C'était mon coin quand j'étais. C'est pas mal, hein. C'est le principe des petits quartiers. Comme ça, personne ne roule trop vite. Allez, j'avais dit qu'il y avait un. Ah oui. De toi. Elle est un peu chargée par voiture. On ouvre. Il y a toujours du bazar. Le parapluie hein, en Belgique, oui, oui. Le sac de course. C'est pratique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'inviter sur les réseaux sociaux.